Coucou et bienvenue sur Chat Scrap. Voilà, je viens vous montrer une petite astuce pour économiser un peu dans les rubans anciens. Voilà, donc à la base, moi j'ai ceci, ce ruban-là, ancien. Donc je vais m'en garder des morceaux comme ça, naturellement, comme ceci. Et avec ça, j'obtiens cette manière de découper et de faire quelque chose de joli avec. Donc je vais vous montrer. Donc avec ceci, vous voyez ma dentelle, j'obtiens sept découpes différentes. Je vais vous montrer. Première découpe, j'obtiens de la dentelle comme ceci, des rubans de dentelle comme ça. Donc après, ça vaut de bien de les découper comme ça là. Vous découpez les petits bouts et après ça vous fait de la dentelle, un morceau de dentelle. Ensuite, vous obtenez celle-ci. Après, c'est toujours pareil, à vous de bien découper tout le tour pour que ça soit propre. Voilà. Ensuite, dans cette dentelle, donc ça fait déjà deux. Troisième solution. Vous obtenez des petites fleurs comme ceci, qui peuvent faire des embellissements très jolis. C'était la troisième façon. Quatrième façon. Vous obtenez ceci. Alors, attendez. Des petits morceaux comme ceci. Où vous pouvez faire des embellissements avec. Vous mettez des petites perles ou des petites choses comme ça. Quatrième solution. Ensuite, cinquième solution. Ben moi, j'ai récupéré toutes les petites feuilles. Et avec toutes les petites feuilles, tous les petits morceaux de feuilles, ce que vous faites, vous découpez comme ceci et vous les récupérez. Vous coupez. Moi, je me suis amusée à découper. Et croyez-moi que je viens de faire des embellissements. Et ils sont super jolis avec. C'est pour ça que je vous les montre. C'est peut-être rien, mais on peut économiser pas mal. Donc ça, c'est mes bouts de feuilles. Donc ça, c'est ma cinquième solution. Sixième solution, qui n'est pas des moindres. J'ai découpé des petits napperons comme ceci, avec. Voilà. Et j'ai découpé des petites fleurs. Septième solution, comme ceci, en laissant un petit bout. Et l'autre, du coup, j'ai récupéré les autres bouts pour faire des petites fleurs comme ça. Cette solution pour un morceau de tissu comme cela. Donc je vais vous montrer. Alors en premier, ce que j'ai fait, j'ai pris mon ciseau, j'ai découpé tout droit les petits bouts qu'il y a là. Vous voyez, tous les petits bouts. Je vais vous faire sur une fleur. Allez, sur deux fleurs, je vais vous la faire. Donc là, vous récupérez le premier embellissement. Là, vous faites pareil. Vous coupez tout autour. Vous obtenez votre deuxième solution. Ensuite, ici, vous découpez vos fleurs comme ça. Là, troisième solution. Ici, vous redécoupez bien toutes vos feuilles comme il faut. Et là, vous vous trompez pas pour faire un joli embellissement. Vous coupez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous récupérez les feuilles. Après, vous coupez autour, hein, pour que ça fasse plus joli. Quatrième solution.
Là, vous voyez, il y a un embellissement qui se forme tout seul. Donc, vous pouvez couper. Vous coupez comme ceci, entre les feuilles. Vous coupez tous les petits bouts qui dépassent. Comme ça. Et voilà une autre solution. Vous avez vu? Ensuite, moi pour obtenir que celle-ci, ben, j'ai coupé, donc j'en ai obtenu des comme ça. Donc ça fait sixième solution. Et pour obtenir la septième solution, faire qu'un embellissement, un petit napperon, j'ai coupé les petites feuilles. Et j'ai coupé au milieu. Tout simplement. Voilà, et vous ouvrez au milieu comme ça tous les petits pédales, les pétales, pardon, et vous obtenez tout simplement un joli napperon et vous faites le tour pour que ça soit très propre. Donc là, j'ai trouvé une bonne astuce pour les napperons. Il suffit de découper. Donc, un napperon, une fleur comme ceci. Ça. Vous avez la fleur avec les petites feuilles. Vous avez les petits trucs là qui vous feront des jolis embellissements. Moi j'ai essayé, je vous montrerai. Je vais vous faire un tuto avec. J'ai cette bordure là et cette bordure là. Tout simplement. Et vous avez les petites feuilles après que vous coupez bien autour. Après vous pouvez les séparer, hein. Moi c'est parce que là je les ai pas encore séparées. Regardez. Et vos petites feuilles de napperon, eh ben vous les gardez parce que ça va servir. Parce que quand vous découpez tout ça, enfin, je vous montre pas, je vous ferai du tuto et vous verrez qu'on peut faire de très jolies choses, très jolis embellissements avec un morceau de dentelle. Après, pour obtenir une feuille, bah vous coupez au milieu. En arrondi. Et là, pareil, et vous obtenez des petites feuilles individuelles. De toute façon, je vous ferai un tuto sur ça et vous verrez. Ça sera super joli. Voilà. Voilà. Donc, petite astuce pour faire des belles petites fleurs. Trois petites fleurs pour une. C'est quand même pas mal. C'est peut-être pas un scoop, mais c'est pas mal quand même. On peut faire beaucoup d'embellissements avec tout ça. Je vous montrerai. Avec toutes mes sept manières de découper dans dans cette dentelle. Voilà. Comme quoi, on arrive à faire plein de choses. Voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, mes abonnés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Charlie Scrap. Et avec les nouveaux petits embellissements que je vais faire avec tout ça. Bisous.